J'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors petite euh, vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter donc deux robots, mais plutôt donc euh, une spéciale. Mais qui quoi donc hein, sur, Concernant donc le bilan de l'année 2019, de euh, mes nouveautés et de ce qui va se passer dans le futur, mes prévisions, mes envies, mes coups de cœur. Bref, voilà. J'espère que ce petit moment euh, va vous plaire. De mon côté, donc, je vous retrouve tout de suite et mini moi et mini mini moi, bien évidemment, vous ferons un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite, les petits amis. Mais qui quoi donc Ah, c'est nouveau ça. Tu t'es pas trop foulé, mec, quand même. Bah, disons que j'ai voulu faire un petit topo euh, sur l'année passée et voilà les prévisions et mes envies donc pour cette nouvelle année 2020. Ouais, ouais. Bon. Je t'excuse pour cette fois, mec. Allez, moi, je vais écouter un petit peu ce que t'as à dire. De toute façon, il y a peut-être des choses intéressantes. Qui sait Allez, à tout à l'heure, les mecs. Tchuss <tousse> <tousse> Ah, cool. Et te va parler de nous et de moi, surtout. Bah, c'est pas impossible. Bon, d'accord. Allez, moi, je vais m'asseoir. Je prends du popcorn, une petite binouse, et je vais écouter ce que t'as à dire. Allez, à tout à l'heure, les mecs. <tousse> Bon, voilà. À présent que mini moi et mini moi, mini mini moi, pardon, sont confortablement installés, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu euh, dans cette vidéo euh, de choses euh, importantes et peut-être moins importantes pour moi et surtout peut-être pour vous. Je tenais donc, je vais donc, pardon, commencer donc par le bilan de l'année 2019. Alors, que donne ce bilan euh, le bilan est plutôt positif à savoir que bon c'est pas énorme hein, je suis vraiment une petite chaîne voilà euh, rien de plus anodine caché et noyée un petit peu dans la masse mais malgré tout voilà en faisant un petit peu le, 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 le calcul euh, je peux dire de façon positive que pour cette année 2009 2019 pardon j'ai gagné plus de 300 abonnés voilà donc comme je vous ai dit c'est pas grand chose par rapport à des méga chaînes pour moi c'est quand même vachement important. Ça fait quand même, si on, se, si on prend un ratio au mois, ça fait quand même plus de 25 abonnés par mois, soit plus de 6 par semaine, ce qui n'est tout de même pas rien. Voilà, donc cette année 2019 m'a permis de faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. J'ai eu de nombreux retours positifs de votre part, que ce soit sur YouTube, sur ma page privée Facebook, sur ma page pro Facebook, en message privé. En message privé donc euh, sur Messenger et sur ma page Instagram. Voilà. Que dire d'autre euh, Vous l'aurez remarqué donc cette année 2009 a été un petit peu pour moi l'évolution en termes donc de, de matériel euh, puisque voilà j'ai eu l'occasion d'avoir une nouvelle caméra un peu plus performante que la sienne, que l'ancienne et qui peut filmer donc en Full HD euh, 4K. Donc ça c'est c'est déjà un, un bon point. Euh, j'ai comme vous l'avez constaté donc un nouveau euh, studio euh, vidéo, un nouveau décor. J'ai également donc changé euh, de logiciel de montage vidéo. Euh, j'ai voilà un éclairage un peu plus performant également qu'auparavant mais ça va encore s'améliorer par la suite, Un nouveau générique également et de nouvelles rubriques. Voilà donc dans ces nouvelles rubriques, voilà j'ai ajouté et je vous ai parlé des gammes Diaclone, Contemporaine, donc les rééditions versions contemporaines donc des anciens jouets euh, Diaclone. Je vous ai aussi parlé de robots Super Sentai et de robots Vintage, ainsi que de la gamme Gobots. Voilà, des gammes qui me tiennent donc particulièrement à cœur et que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, et j'ai également donc eu de nombreuses surprises et coups de cœur, que ce soit donc en Transformers officiels qu'en third party que ce soit donc third partie à l'échelle Masterpiece ou Mini Masterpiece, vraiment d'excellentes découvertes. Ça a été l'occasion aussi pour moi de remplir de gonfler et d'accroître également donc ma collection euh, Masterpiece. Euh, je vous ai fait découvrir aussi euh, la gamme Siege War for Cybertron qui m'a vraiment bluffé et épaté. Voilà, une très très bonne gamme même si voilà, ils sont tous enfin euh, certains sont, sont de qualité inégale. Euh, même si les échelles sont un peu plus petites dans l'ensemble voilà c'est une véritable, une véritable bonne surprise euh, robuste euh, les transformations sont super fun le fait d'avoir un mode cybertronien en mode alternatif et un mode bot qui s'inspire des géants voilà c'est du tout bon également donc de très très bonnes surprises voire d'excellentes surprises dans les nouveautés Studio Series. Je ne les ai pas tous achetés parce que tous ne me plaisent pas forcément, notamment donc le Devastator, hein. ceux qui me connaissent un petit peu sauront pourquoi. Mais il y a eu malgré tout d'excellents d'excellents produits dans la gamme Studio Series. Je pense là voilà, sans chercher plus loin, mais le Optimus Prime issu du film Bumblebee, il y a eu Dropkick aussi vraiment qui m'a épaté. J'ai ajouté aussi pour euh, deux, en, en 2019 pardon donc la rubrique foire aux questions hein et sachez qu'il n'y en aura d'autres je note pour le moment au fur et à mesure donc toutes vos questions sur un petit carnet et une fois que j'aurai estimé avoir un nombre de questions suffisantes bah, ça donnera lieu donc à de nouvelles foire aux questions voilà j'ai également donc si vous l'avez remarqué euh, classé toutes mes vidéos dans des playlists attitrées, pour que la recherche vous soit plus facile parce que c'est vrai que tout est fini par être noyé dans la masse hein, au bout de 5 ans de revues ça fait ça fait forcément un paquet de, de vidéos donc tout est classé répertorié voilà ce qui fait que en fonction de vos gammes préférées euh, de vos coups de cœur de vos intérêts voilà vous trouverez plus facilement euh, les dites vidéos euh, alors il y a eu aussi donc quelques points négatifs forcément tout ne peut pas être formidable à savoir particulièrement donc quelques désabonnements euh, du fait que certains, donc, voilà, je le pense, d'autres me l'ont dit, voilà, du fait que certains préfèrent telle et telle gamme, il y en a qui n'aiment que les movies, donc ils ne voudraient que je fasse que du movies, les anciens comme moi n'aiment que le G1, ou euh, tout ce qui est G1, Transformers Prime, G2, Enfin euh, tout jusqu'à la fin de Transformers Prime, hein, tout ce qui est après, c'est-à-dire Robots in Disguise, etc., etc., qui est pour moi de la merde. Voilà. Donc voilà, il y en a qui n'aiment que le masterpiece, il y en a qui sont intéressés par le third party C'est vrai que je peux pas, voilà, je peux pas me découper. Euh, je, si je plais à certains, je plais pas à d'autres. De toute façon, quoi que je plaise, quoi que je fasse, ça ne plaira jamais à tout le monde. Voilà. Donc j'ai perdu quelques abonnés à cause de ça euh, pour moi bon j'ai rien perdu euh, c'est vrai que voilà comme je dis euh, principal c'est que principal voire même l'essentiel pour moi c'est d'abord que je fasse ce que j'aime puisque voilà c'est moi qui choisis en même temps mes revues après on aime ou on n'aime pas ça c'est bon c'est notre histoire euh, c'est vraiment pas mon problème euh, Certains n'ont pas compris le but de ma chaîne peut-être. Euh, C'est vrai que j'ai fait pendant des années, je n'ai parlé que du Transformers. Là j'aborde d'autres gars, Mais voilà, j'ai envie de, vraiment de vous parler de tous mes coups de cœur. Euh, savoir que mes coups de cœur pour le, les robots, ce ne sont pas les Transformers. Tout n'est pas parti à partir de là. Il euh, y a d'abord eu Goldorak. Il y a eu plein de séries futuristes. Euh, donc euh, voilà, toutes tout, 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 tout ces toutes ces gammes de jouets transformables, en fait, puisque j'adore le concept du 2 en 1, ont fait que, voilà, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les Transformers, mais pas que. Voilà. Euh, donc, finalement, pour voir le côté positif de la chose, ces désabonnements euh, m'ont permis, du coup, involontairement, de faire un coup de balai, un tri, un nettoyage naturel pour ne conserver, en fait, que les meilleurs d'entre vous. Voilà, donc, merci à vous. Donc concernant à présent euh, les nouveautés donc pour cette année alors tout d'abord bah, je vais bien évidemment poursuivre mes revues Transformers euh, que ce soit donc mes revues euh, nouveautés mes revues retour vers le passé les movies les TF prime et plein d'autres gammes que, 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 que voilà que vous avez découvert euh, au fil de mes revues euh, j'attends bien évidemment l'arrivée euh, donc de, de, de la nouvelle gamme siege astrise. Euh, qui voilà promet du lourd, surtout pour les vieux nostalgiques de, de G1 que nous sommes. J'attends également quelques nouveautés Studio Series, donc bon, il y aura des choix à faire, euh, Voilà, je ne vais pas pouvoir tout acheter, j'aimerais déjà avoir, pourquoi pas, le Shockwave, le Soundwave qui me botterait euh, énormément, euh, Shatter dans sa version Jet qui m'a l'air absolument succulente. Euh, je vais continuer également. Voilà que ça plaise ou que ça plaise pas les choses sont dites je vais continuer également donc les revues sur les gammes Diaclone je vais continuer les Gobots je vais continuer les Megazords je vais continuer tout ce qui est robot Super Sentai tout ce qui est robot vintage tout ce qui est robot transformable parce que voilà je trouve que c'est important aussi de vous faire découvrir mon univers dans son intégralité alors je vais éviter de parler d'autres gammes je vous je vous montrerai peut-être comme ça l'occasion de temps en temps euh, des gammes annexes et, euh, et autres euh, que, que, que ce qui est transformable, mais bon voilà, je vais quand même rester dans ce créneau là, puisque voilà, c'est avant tout ma passion. Euh, je vais aussi et surtout continuer à faire de mon mieux pour vous présenter donc mes coups de cœur, mes chouchous, euh, faire tout mon possible pour que mes revues euh, soient, voilà soient qualitatives. Euh, vous fasse passer donc de beaux moments, euh, vous fasse découvrir des tas de choses, qu'on puisse avoir aussi des petites discussions comme ça euh, en privé de temps, euh, de temps à autre, euh, c'est aussi super sympa. Vous l'avez remarqué donc il y a eu grâce à mon, à mon ami Fred l'arrivée de mini mini moi qui change un petit peu la donne et qui donne quelques petites leçons à mini moi hein, qui me quand même pourrit la vie depuis <laughs> depuis à peu plus de 4 ans maintenant. Je vais également donc assister cette année avec euh, mon ami euh, mon pote euh, mon sponsor entre guillemets et mon et mon mécène donc j'ai l'intention d'assister à quelques salons du jouet donc que ce soit en France ou en Europe voilà euh, les deux partenaires ensemble euh, et j'espère aussi donc qu'on va pouvoir continuer ce, ce très sympathique travail d'équipe euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je vais vous présenter aussi. Alors voilà, il y aura l'introduction d'une nouvelle gamme de jouets transformables euh, qui ne sont pas des robots cette fois-ci, mais euh, voilà une série qui a été particulièrement cultissime dans les années 80. Euh, certains reviewers français en ont déjà parlé. Euh, on m'a proposé en fait, voilà, on m'a proposé l'idée à plusieurs reprises, notamment euh, mon poteau euh, Corsair 57 que je salue au passage. Pour ces conseils, hein, toujours euh, toujours très utile pour moi. Donc voilà, je vais vous présenter la gamme de jouets Masque euh, du fabricant Kenner, voilà qui euh, qui reprennent donc les personnages et les véhicules du dessin animé culte pour toute une génération aussi. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Masque, donc bah, c'est voilà, ce sont euh, les gentils donc à savoir l'unité Masque contre euh, les méchants Venom, donc qui se battent entre eux forcément. Euh, muni de véhicules qui d'apparence ressemblent aux véhicules de Monsieur Tout le Monde bon enfin Monsieur Tout le Monde entre guillemets parce que ce sont quand même des véhicules assez classieux et qui ont donc pour particularité de se transformer donc en véhicules de combat pour combattre les uns contre les autres voilà une gamme qui a été très prolifique qui est extrêmement recherchée par les collectionneurs qui est extrêmement appréciée également par tous ceux de ma génération euh, une gamme qui à l'époque voilà et encore aujourd'hui était faite d'une façon absolument admirable, euh, finition impeccable. Enfin, bref, vous découvrirez tout ça. Je vais vous faire, euh, je vais faire une petite pause et je vais me mettre devant, donc, ma, ma, ma bibliothèque où sont euh, rangés mes masques. Je vais vous faire tout de suite un petit topo pour vous montrer un petit peu de, de quoi il s'agit et vous ferez vous-même, donc, votre propre avis et opinion. Alors, voilà, justement, donc, un petit aperçu de cette gamme masque. Voilà, donc, nous avons les gentils et véhicules principaux à noter le, le, le design et la conception vraiment excellente avec bien entendu tout ce que j'aime bien c'est à dire la possibilité de pouvoir mettre un ou plusieurs véhicules euh, plusieurs personnages pardon dans chaque véhicule un hein, des véhicules qui voilà qui au premier aspect semblent absolument euh, bah, semblent absolument quelconques, mais bon, qui ont vraiment la, la, la possibilité de se transformer avec des tas de petits gimmicks, des boutons, des, 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 des choses, voilà, qui font que certaines parties des véhicules se déploient automatiquement, avec des missiles qui s'éjectent. Enfin, vraiment, voilà, une gamme que j'ai vraiment, vraiment affectionnée pendant pendant ma jeunesse, hein, toujours dans ce concept, bien entendu, du jouet. Deux en un, voilà, et puis encore des petits voilà des petits morceaux ici. Euh, je peux faire voilà, une vue d'ensemble donc, de cette bibliothèque avec une partie de ma collection masque. Je n'ai malheureusement pas tout. Je vous montre également donc, j'en profite, hein. donc, pour vous faire découvrir ma gamme de Super Gobots. Mégobots. Voilà, il y en a pas mal. Comme vous pouvez le constater. Alors j'essaie de me rapprocher un petit peu. De faire une mise au point. Voilà. Bien évidemment donc. Disposés. Dans leur forme. Robot. Ah. Voilà. Il y a du choix, c'est pas ça qui manque. Ah, et il y en a encore en dessous avec les monsters. Également ici. Donc, avec notamment des Motorbots, des méca bots, du Rock Lord, qui est une continuité donc. Donc vous voyez, il hein, vraiment j'ai vraiment de quoi vous, vous faire de très nombreuses revues à leur sujet. Et je vais vous montrer également, hein, euh, voilà, histoire de, de vous quand même voilà de vous présenter autre chose que des images fixes. Donc vous présentez donc 3 TF de type Titan, euh, dont enfin 2 TF de type Titan dont un Masterpiece, euh, donc, pour lesquels donc, les revues viendront prochainement au fur et à mesure, hein, ne soyez pas trop pressés. Euh, qui m'ont été donc confiés euh, par mon sponsor euh, et partenaire et ami que je salue également au passage et qui se reconnaîtra. Alors, le premier, le voici, le voilà, il s'agit donc de l'édition euh, Masterpiece édition limitée du MP10G donc le MP10 qui est le moule d'Optimus Prime dans sa version Ecto 35 édition, voilà euh, aux couleurs donc du, de de la team des Ghostbusters hein, pour ceux qui ont connu les films, voilà ce film est tout simplement culte et donc qui célèbre à la fois les 35 ans des Ghostbusters et des Transformers. Donc, voilà un petit peu un aperçu de cette euh, de cette boîte. Donc je vous en ferai euh, la revue très probablement fin de semaine prochaine. Il y aura donc également le masterpiece Ultima garde de chez Weijung, voilà donc masterpiece de l'Autobots, Oméga Suprême. Un aperçu de cette boîte absolument énorme et monstrueuse, sachant que le robot l'est tout autant. Je vous donne une petite indication, voilà ça fait quelque temps qu'il est ici, juste à côté, qu'il trône fièrement. Sur mon bureau. Voilà, donc je vous en ferai une revue également prochaine. Pour moi et donc mon ami euh et euh sponsor, on est tous les deux d'accord là-dessus. Hein, C'est pour nous deux, à notre goût, à notre avis, le meilleur hommage à l'échelle masterpiece donc d'Omega Suprême. Celui qui, pour moi, est quand même le plus fidèle euh au dessin animé géant. Et tout plein de, 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 de super surprises et qui met surtout complètement chaos euh, au tapis euh, la version euh, Siege qui évidemment n'est pas du Masterpiece, hein, mais voilà le Siege à côté est vraiment je trouve cacaboudin. Donc celui-ci est juste merveilleux, magnifique et exceptionnel. Et je vous, je vous présenterai également donc le Titans Return Triptychon à l'échelle Titan class. Voilà un énorme monstre. Euh, ma foi, très très sympa. Hein. C'est vrai que c'est une superbe pièce, euh, bien mieux en tout cas que le, le Fortress Maximus. Je ferai donc également un comparatif avec le Tripticon Génération 1. Hein. Voilà un petit peu donc pour ce, pour cette boîte qui elle aussi est absolument euh, voilà énorme et imposante, avec à savoir donc. Euh, un petit custom qui a, qui a été fait dessus, alors qui a été commencé donc par mon par mon ami et que je vais poursuivre, mais je vous en dis pas plus. Euh, je vous ferai la surprise lors de la revue qui lui sera donc dédiée, ah, une petite surprise euh, ma foi, fort sympathique. Et à présent donc le futur de ma chaîne. Alors ça va être assez bref. Euh, Qu'est-ce que j'espère donc euh, pour cette année 2020? Euh, tout d'abord, tant que possible, parvenir enfin aux 1000 abonnés symboliques, afin donc de célébrer les 5 ans de ma chaîne. Voilà, ce serait juste super, euh, une sorte pour moi de petite consécration euh, pour tout le travail que je fournis et toute la passion que je vous fais partager euh, depuis voilà depuis bientôt 5 ans. Euh, de continuer, bien évidemment donc, à partager justement cette passion le plus simplement possible mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur voilà et surtout à savoir donc que mon avenir pour l'instant comme beaucoup de revueurs, il est assez incertain, euh, ce sera surtout donc malheureusement, euh, en fonction comme vous le savez des nouvelles réglementations imposées par la loi COPA. Euh, si je m'en sors bien, je continuerai à faire mes revues, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi, je serai toujours là. Euh, si par exemple, si par contre, cette loi copa décide, euh, de me classer comme étant donc un reviewer pour enfants, parce que pour eux, que je présente du jouet ou du jouet de collection, c'est la même chose, le jouet c'est du jouet, voilà, même les jouets de collection à hein, 2, 3, 4, 500 boules c'est du jouet tout simplement donc voilà ils ne font pas de ils, ils font pas de demi moitié hein. ils considèrent pas d'un côté le jouet pour adulte, de l'autre côté le jouet pour enfant, c'est le même topo donc bah si c'est le cas évidemment ils vont me proposer d'aller sur YouTube kids chose que je ne ferai pas pourquoi parce que voilà euh, je m'adresse avant tout donc aux collectionneurs aux passionnés premièrement deuxièmement le, voilà je ne m'adresse pas à des gosses j'ai un langage particulier euh, je dis des gros mots enfin voilà j'ai des termes vraiment euh, particuliers euh, euh, vous savez tous que donc les sketchs hein, vous les voyez avec mini moi en général, bon voilà, c'est il y a une certaine impolitesse, il y a une certaine enfin vous, vous comprenez tout de suite qu'un y a un gamin de 7 8 ans peut pas regarder ça parce que sinon bah ils vont mettre OK, ils vont mettre sur euh, YouTube Kids, mais qu'est-ce qui va se passer Bah les parents euh, et les associations de parents euh, vont se retourner contre YouTube et, et pour moi en disant mais qu'est-ce que ce mec là, il vient foutre sur une chaîne de gains Donc voilà, donc si on propose d'aller sur YouTube Kids, bah bien évidemment, j'arrêterai ma chaîne ou je verrai si je peux euh, si je peux poster mes vidéos euh, autrement. Euh, voilà, donc pour l'instant c'est à certains. Par contre, évidemment, s'ils me disent euh, bon bah c'est bon, ça passe, ouais, je serai toujours là. Vous pouvez compter sur moi. Voilà un petit peu donc pour cet aparté. Et je tenais donc pour terminer, euh, voilà, finir par euh, mes remerciements. Donc tout d'abord adresser euh, à mes proches, donc euh, tout d'abord ma compagne, mes filles ses fils, voilà, qui m'encouragent, qui regardent de temps en temps mes vidéos, qui me mettent toujours des likes. Euh, je remercie également donc mes amis proches pour leur soutien, euh, pour leurs encouragements euh, permanents, mais vraiment permanents. Voilà, ils me soutiennent toujours, quoi que je fasse, ils sont toujours là pour me motiver. Euh, je remercie également donc tous les abonnés, sans exception. Euh, pour votre patience, parce que voilà j'ai tendance à parler beaucoup à faire des vidéos assez longues à m'emporter, parfois je bafouille parfois j'inverse parfois je confonds parce que bah voilà euh, je suis tellement passionné que des fois euh, ma bouche parle plus vite que mon cerveau ou à l'inverse euh, je vous remercie également toujours pour votre sollicitude pour votre pour vos encouragements, votre sympathie, votre gentillesse. Euh, votre amitié, puisque voilà certaines amitiés se sont se sont nouées avec le temps. Euh, donc merci de me supporter, voilà euh, merci pour tout. Euh, remerciements aussi donc euh, aux quelques personnes qui partagent mes vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Donc à savoir mon poteau Fred, oui le fameux Fred qui m'envoie souvent euh, des colis. Remerciements aussi à Christophe Aligon qui voilà quasiment à chaque fois euh, depuis un moment post vidéo par vidéo sur euh, sur sa page euh, facebook, à mon poteau Mike euh, Michael Martin voilà euh, coucou poteau donc qui lui aussi euh, partage euh, assez souvent mon, mes vidéos. Euh, merci aussi à euh, mon poteau Sébastien qui se reconnaîtra qui lui aussi donc partage mes vidéos à Chris. Voilà, qui, qui le fait aussi très souvent, à tous les autres qui se reconnaîtront. Et puis euh, remerciement aussi à tous ceux qui commentent mes revues, parce que voilà euh, vous n'êtes pas tant que ça à commenter ou à liker, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le, c'est pas, c'est pas un problème pour moi. Mais voilà, remercier quand même tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, donc, à chaque revue. Ça, ça me touche, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je vais commencer à donner vos noms, et puis, bah, voilà, c'est la, la, la vidéo, quant à elle, va se terminer. Donc, cette petite dédicace est pour vous, à vous qui laissez des commentaires quasi systématiquement ou régulièrement, donc, Merci à Tracy Jones, mon poteau Frédéric, Enzo, Mac Givre, Al Zil, Jonathan Perrot, Alexandre Picori, MDR Gaming, mon jeune ami, Milo Duff, Lucas Bataillot, Jules Carpenter, Corsair 057, mon frangin Rio Saiba, Sébastien Bouquet, Triview, Crochet Vilaine, ma compagne. Bien entendu que j'embrasse au passage TSR Vampire aka Michael euh, mon poteau, Mohamed aka Sahelbel, Darth 42, Robin Le Train 68, Asterian 75, Olhey Transformers, Jérôme Gélios Obis. Donc un ami et euh, un autre euh, reviewer euh, très très connu euh, dans le monde de la maquette notamment. Eric Corny, l'Exitag Anthony Hugo, euh, Genji TNT, Yukuzumi, Optimus Prime du 25, John Planquet, DJ Largo Winch, Mopoto Yaya, Chris Riel, Farid, Orenzlia fait du gaming, Mika Le Lego, Adrien Doptin, Primus Mozart, Autrod, Bumblebee, Castor 2552, Manu de Temps, Le Viking, Edson Carnero da Silva, LTH Nico, Bat Collection Mon Poteau et Reviewer également, Eclipse moi, AZK Mitchuma Sly Cosmos, Renault Spicht, Raphaël Arzo, Alex Lasercop38, Alain Roy, Super Cheval, et également donc à tous ceux que, voilà, à tous ceux que j'ai omis ou que j'aurais omis de citer. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que se termine cette euh, vidéo spéciale bilan sur l'année 2009, les nouveautés, euh, mes projets et ce qui va se passer dans le futur ou ce qui pourrait se passer dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré euh, bah, malgré le fait qu'elle soit quand même plutôt longue. Si vous avez le courage. De regarder jusqu'au bout, je vous félicite. Voilà pour votre patience. Merci, comme toujours, pour vos retours, vos commentaires, vos impressions. Donc, dans la rubrique suggestions et commentaires. Euh, que dire de plus Bah, merci hein, pour le, le, le soutien, l'amitié indéfectible dont euh, voilà vous m'avez gratifié donc pour l'année dernière et voilà ça continue cette année. Donc voilà, vous êtes vous êtes vraiment extra les poteaux. Euh, bienvenue, bien entendu donc, aux nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers et de robots transformables. Euh, un énorme merci, bien évidemment donc aux plus anciens. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Passez un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien surtout. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à très vite, bye bye, tchuss « Hé, hey, t'es sérieux, mec Ta vidéo a fait quasiment une demi-heure Tu crois vraiment que les gens euh, ont que ça à foutre de regarder euh, une vidéo fixe où on t'entend que parler pendant une demi-heure Non, mais t'es pas malade !»« Euh, oui, mais bon, j'ai quand même présenté euh, quelques nouveautés, euh, un aperçu euh, de ma prochaine gamme masque que je vais présenter, ma collection de gubbats. »« Ouais, mais une demi-heure, mec, quand même T'abuses !»« Ouais, mais au moins, on n'a pas entendu ta gueule, et ça, ça nous fait des vacances !» Quoi alors là, c'en est trop. Voilà, mon super pompon est en membre, est en mode démembrement. Prends ça dans tes gueules, mec. M'en fous, j'en suis peut-être démontable, mais je suis indestructible. Ouais, bah attends, bouge pas. Je vais te remonter, moi. Je vais te reconstruire, tu vas voir un peu. Alors, c'est Kiki qui a l'air con maintenant. Non mais. Respecte-moi. Et respecte mon autorité, mec Faut Pas me faire chier, moi. Allez tous Poum poum poum, 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 poum. Euh, papy, je crois que je vais avoir besoin de toi. Alors, je sens que cette année 2020 va être longue. Très longue. Très très longue. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?